Apprendre l'espagnol, leçon 2. Hola, bienvenida al sitio de netprof.fr para aprender español con Wilfried y Fabián. Lección segunda. Les voyelles. Il y a 5 voyelles en espagnol qui correspondent à 5 sons. A, E, I, O, U. Le U se prononce U. Comme en français, le U ne se prononce pas dans les combinaisons GE, GI et QUE, QUI. Le U de GE et GI n'est prononcé OU que lorsqu'il est surmonté d'un tréma. Chaque voyelle conserve son son de base en toutes circonstances, quelle que soit sa position. Exemple, CANTAN se dit CANTAN. Combiné avec une autre voyelle, chaque voyelle conserve également son son propre. Exemple, AUTOBUS se dit AUTOBUS. Vocabulario. Repaso. Révisé. Entraînez-vous à répéter les mots après nous et enrichissez votre vocabulaire. La casa, la maison. El comedor, la salle à manger. La cocina, la cuisine. El cuarto de baño, la salle de bain. Una cama, un lit. Un mueble, un meuble. Una mesa, une table. Una estantería, une étagère. El descansillos, le palier. Un piso, un appartement. N'hésitez pas à les répéter plusieurs fois. Merci d'avoir suivi ce cours et à très vite pour une prochaine leçon.